Les gars, c'est mauvais. Ça cuit vraiment le tout aussi. C'est mauvais. Je vous donne toutes les explications juste après la pub. Sogetol. Il y a des sociétés de tôle au Cameroun, mais il y a une société, Sogetol. Sogetol est une société de fabrication des tôles. En fait, la maison mère est en Italie, mais ils sont basés dans plusieurs pays, particulièrement au Cameroun. Ils sont basés au niveau de Corom, en face GP Music. Donc, si vous avez besoin de faire des couvertures pour vos maisons, vous avez besoin des tôles ondulées, tôles en bas, toute qualité de tôle, rendez-vous rapidement chez Sogetol. Sogetol est la société actuellement qui fait des meilleurs tôles, qui peuvent faire 100 ans, 150 ans sur vos maisons sans dégradation, les gars. Courir rapidement chez Sogetol, c'est la meilleure société de fabrication de tôles actuellement sans concurrent. Ok. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le scénario. Donc le scénario parle du film. C'est quoi dans le film? Écoutez bien dans les explications. Bonjour la famille. Vous savez pourquoi j'ai ri? En fait, c'est que ce sont vos réactions qui me font rire. Petite publication maintenant va demander les excuses à Julia, va demander les excuses à Moaminga. Bah, c'est pas possible. Les fans, vous savez, je vous l'offre beaucoup. Parce que j'ai même commencé ma web série. D'autres disent que oh, si tu vas, tu changes de contexte, tu vas me désabonner. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous sensibiliser. Vous savez que beaucoup viennent de découvrir Internet. Beaucoup viennent d'avoir les téléphones Android. J'ai toujours pour habitude ici de parler en parabole. Aujourd'hui, il faut que j'entre en profondeur. Je vous explique vraiment ce que nous faisons. Ce que vous devez comprendre, c'est que Facebook, ou pour ne pas parler de Facebook, les réseaux sociaux que vous voyez, c'est un milieu de divertissement. Et quand on parle de divertissement, tout peut être considéré comme divertissement. C'est-à-dire que même le mensonge, on prend le mensonge, on fait de ce mensonge le divertissement. Je prends un exemple, le cas de Dylan Comedy. En fait, si vous avez constaté, c'est que mon monteur a fait un problème, une erreur là. Il a vite coupé, il a coupé mal la vidéo. C'est vers 20h qu'il regardait la vidéo que je me suis rendu compte que la vidéo n'est pas allée jusqu'à la fin. Parce que quand j'ai fait cette vidéo, à la fin, je disais que je n'ai pas encore des sources sûres. J'attends encore les vraies informations pour entrer en profondeur. Parce que vous voyez, j'ai parlé en parabole. En fait, c'est quoi notre domaine d'influenceur? C'est-à-dire que quand on a une information, on n'est pas encore sûr de l'information. On parle un peu en parabole. Vous comprenez un peu? Et les réseaux sociaux, comme vous voyez là, même quelque chose qui n'est pas vrai, quand on sent que ça brûle, ça fait le boum, on parle. Même si ce n'est pas vrai. Et à la fin, on dément. On dit que ce n'était pas ça. On peut même dire quelque chose, on confirme même que c'est ça le lendemain, on dit que ce n'était pas ça. Juste pour que vous regardiez. C'est-à-dire que l'influenceur est comme un acteur. Là maintenant, j'explique pour ces jeunes-là qui sont en train de se lancer abondamment sur, dans ce domaine-là. L'influenceur est comme un acteur. Un acteur sur un plateau de télévision. C'est-à-dire que le même acteur, le même jour du tournage, il y a une scène qui dit que tu as perdu ton père. Donc, tu as joué le rôle de quelqu'un qui est malheureux, qui est triste, qui est dans le désespoir. Tu incarnes le rôle, tu joues bien le rôle. L'autre scène, directement après, dit que après le décès, pendant les obsèques de ton père, tu as trouvé la femme de ta vie. Tu oublies la douleur, tu changes je ne sais pas. Tu es maintenant plutôt en joie. Tu incarnes également ce personnage. Donc, c'est-à-dire que quand je fais mes vidéos, je connais là, les attentes de mon public. J'ai fait la vidéo pour Julia. Les gens sont venus me tuer en commentaire que oh, tu as quel problème avec Julia. Oh, tu t'attaques à... Honnêtement, les gars, c'est tout ça, c'est le scénario. C'est un fil. Quand je vous dis que j'ai son dossier que j'ai mis dans le tiroir, quel dossier? Quel dossier, les gars? Tout ça, c'est ce qu'on appelle le buzz. Vous ne connaissez rien du buzz. Quand on parle du buzz, cherchez à savoir ce que signifie buzz. Quand vous allez comprendre le mot buzz, vous n'allez plus jamais regarder nos vidéos en mettant les organes. Ça, c'est des techniques qu'on ne trahit même pas. Je sens que vous dites comme ça des petites vérités qu'on ne dit même pas. Donc, la majorité des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, laissez, regardez aussi ça sur les réseaux sociaux et laissez ça sur les réseaux sociaux. Ne rentrez pas au quartier avec ça. D'autres sont malheureux, l'ONU, ça m'a demandé que, gars, depuis que tu fais tes vidéos, tu attaques si tu attaques ça, tu parles de telle personne, tu parles. Le gouvernement ne te dérange pas. Je vous ai toujours dit ici que le gouvernement camerounais n'est pas idiot. Hein. Vous pensez que ceux qui sont à la tête du gouvernement là sont pas les intellos, sont pas les intellectuels.
Vous pensez que tous ces gars-là ne m'écoutent pas, ne me suivent pas? Je vous ai dit que j'attaque tout, sauf la politique. La politique a son couloir. Je ne suis pas politicien. Si j'étais politicien, je devais attaquer la politique. Je n'entre pas dans la politique. Maintenant, en ce qui concerne la Starmania, même la vie des stars, c'est uniquement ce qui est sur Facebook que moi, je travaille avec. Qui va me déranger? Qui va me menacer? Pourquoi? Ne venez pas sur Facebook parce que vous avez que le digital paye. Vous commencez à provoquer les gens. Vous commencez à dire du n'importe quoi sans savoir même ce que vous dites. Moi, quand j'ouvre ma bouche pour dire quelque chose, je mesure, je me rassure que est-ce que ce que je dis ou ce que je fais là, ça va finir comment ou ça peut finir comment? Je reste dans le cadre du buzz et je prends toutes les choses du Facebook pour parler. Et je reste sur Facebook. Ma vie sur Facebook n'a rien à voir sur ma vie quotidienne. Vous venez sur Facebook, vous regardez les vidéos sur Facebook. C'est-à-dire que vous commencez déjà à mettre... je ne sais pas. Quelqu'un vient me dire que ma vie est en danger. Ma vie ne sera jamais en danger, mon frère, parce que je sais ce que je fais. Je sais bien ce que je fais et je connais ce que je dis. C'est comme ça. Vous qui venez sur le digital, là, faites très attention, les gars. Et vous qui regardez nos vidéos, s'il vous plaît. J'ai fait la vidéo sur Samantha, j'ai fait la vidéo sur Mwaminga parce que je savais que tout le monde attendait ce genre de réaction-là. Le lendemain, j'ai changé, j'ai incarné plutôt un autre personnage. J'ai changé, j'ai dit plutôt autre chose. Les gens me disent que demandez plutôt les excuses que de venir. On t'a menacé. Qui m'a menacé? Que j'ai dit quoi d'abord de mauvais? Que j'ai dit quoi de spécial? Que j'ai... Même pour Dylan, comédien, que non, c'est pas ton couloir. Tu es en train d'exposer, tu es en train de faire la publicité. Publicité de quoi? C'est le buzz, mon frère. Nous, on est là pour travailler sur le buzz. Vous comprenez, non? Les gars, donc, j'ai dit encore merci à tous ceux qui m'encouragent. Mais par jour, j'ai plus de 1000 abonnés par jour maintenant parce que je suis intéressant. Ce que je dis est important. Quelques-uns, c'est des abonnés parce qu'ils n'ont pas encore compris le principe. Le principe. Et j'ai créé ma chaîne. Ma chaîne, c'était pour le divertissement, l'éducation, la sensibilisation. Ça, on sait comment mettre la web-série. La web-série que j'ai créée là, c'est toujours pour le divertissement. Et je profite aussi pour dire, tous ceux qui veulent jouer dans la web-série, même quelqu'un qui veut cadrer, qui vient, j'ai créé cette web-série là pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Quelqu'un qui veut jouer dans la web-série là, contactez-moi directement, mon numéro WhatsApp qui est mis en bas là. Contactez-moi là directement, je te programme, tu vas jouer. C'est comme ça. Ceux qui viennent qui n'ont pas le talent passent. Ceux qui ont le talent, on reste pour un bon projet à venir. Donc, contactez-moi si vous voulez tourner dans ma nouvelle web série Quata 237. Ne regardez plus nos vidéos. Moi, mes vidéos particulièrement en mettant trop les organes. C'est pour ça que quand je réglis les commentaires, je ris. Parce que je comprends que vous ne comprenez, vous ne connaissez même pas vraiment le fond de ce que nous faisons. L'influenceur, là, c'est un métier. Vous allez comprendre ça. Oh, vous allez accepter ça. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.